Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le DQOP numéro 2. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les youtubeurs podcast commencent par je sais pas si vous avez remarqué. Changeons ça. Je me baladais un petit peu sur les fréquences FM de la radio dans ma voiture. Qui dit encore fréquences FM en 2016? Et par le plus grand des hasards, je suis tombé sur Chéri FM. Alors qu'à la base, moi c'est Fun Radio, Fun Radio, Fun Radio. Je savais pas qu'il existait d'autres radios. Et sur Chéri FM, il y avait Julien Doré. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que de l'électro dans les musiques de maintenant. Mais ça, on s'en tape. Non, que les paroles des chansons voulaient rien dire. Mais rien. Se promettre ma douceur, l'enfer et ses sources, où les vipères rousses se meuvent en nos troubles. Ah, c'est beau, c'est harmonieux, rien à dire, mais qu'est-ce que tu essayes de nous dire, Julien? Du coup, j'ai cherché la musique sur YouTube et la première chose sur laquelle j'ai buté, c'est le titre. Chou Wasabi. À quel moment dans la musique tu parles de chou et de wasabi? Explique-moi. Attends, je t'arrête tout de suite. À quel moment t'as les phares en plein jour? Non, il y a qu'en Pologne qui font ça, je suis désolé, hein. Agrandi à Nîmes. Bon, t'as aucune excuse, Julien, t'es pas polonais. Allez, continuons. Corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Bon. Bon, la musique s'appelle Le Lac. Déjà, je te vois à la montagne ou à la mer. Déjà, il y a un problème. Ensuite, tu parles d'une femme, là. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Alors, à part ta moto, je vois pas de nana, hein, je suis désolé. Tu serais pas mécanophile, des fois. L'homme qui mettait son sexe dans les pots d'échappement. Attends, à l'époque, il y avait aussi un mec qui était amoureux de sa guitare, là. Tom Fragé, c'est ça. Pourvu que les hommes nous regardent. Alors, mis à part les nains sous la montagne, je vois pas qui c'est qui peut te pâter, mon pote, t'es tout seul. Y'a R. Bon, allez, assez parlé de Monsieur Doré, je suis pas là pour pourrir ton travail. Passons à Guillaume Grand, poète incompris du 21e siècle, avec sa chanson Toi et moi. Enjoy. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix. Des refrains à la mer. Putain, où est-ce que je l'ai mis là? Mon décodeur! Il est où mon décodeur? Merde! Siri, aide-moi! Pardonnez-moi, je n'ai pas compris. Voyez, y'a pas que moi qui suis à la ramasse! Oh Siri, tu me rassures. Siri, je t'aime. Mais nous nous connaissons à peine, Mister Darwin. Je pensais qu'on était passé à un autre stade dans notre relation. On est tout le temps ensemble. Non, Siri, tu peux pas me faire ça. Attends. L'homme qui mettait son sexe. Bon allez, on s'acharne pas sur ce pauvre Guillaume, on peut faire la même chose, mais à deux. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Bon, mis à part qu'on a Vercingétorix parmi nous, analysons la chanson. D'accord, donc le mec s'en fout de faire du camping sous la pluie. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, écoutez plutôt. On prendra notre temps pour découvrir la vie, je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément sur les épaules des géants. Moi, si je veux être vivant énormément, je sors de chez moi, je vais boire un coup avec des potes, on se marre et tout va bien. Lui, il faut des géants pour se mettre bien. Chacun ses délires, je respecte. Attends, un géant ou un éléphant? Faudrait savoir. À moins que les éléphants soient les géants. Une métaphore. Oh, frérot de la Vega, ça va? La tête, elle chauffe pas trop là? Voir au-delà de nos vies. Ça, c'est bien, ça. C'est philosophique, c'est... C'est incompréhensible! En fait, je crois que même eux, ils savent pas ce qu'ils disent. Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie. Attends, je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie? Mais de quel côté? Du bon côté. Ah, bon, ça va, tu me rassures. Bon, ça, c'était pour les chansons françaises, mais est-ce que pour les chansons étrangères, c'est la même chose? Parce que nous, on comprend rien de base, vu que c'est pas notre langue. Mais est-ce que dans la leur, ça veut réellement dire quelque chose? Tout le monde connaît What Do You Mean? Do you mean? Yes, but you wanna say no, what do you mean?
Qu'est-ce que tu dis réellement, toi? Que veux-tu dire quand tu ne veux pas que je parte, alors que tu me demandes de partir? Quoi? C'est moi qui vois pas ou c'est vraiment de la merde? Ouais, non, toi, Justin, qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu veux tourner à gauche et d'un coup, tu veux tourner à droite. Attends, t'es en voiture? Comment ça se passe? Je veux qu'on discute toute la journée, qu'on fasse l'amour toute la nuit. Alors toi, tu vas pas faire dans la dentelle, toi. Toi, c'est direct. Tu parles la journée, la nuit, paf! Et paf! La faute filée par derrière, paf! Attends. Là, j'en ai une bonne, là. Au début, tu es heureuse, puis au plus bas, et d'un coup, entre les deux. Attends. Il est où? Il est où, mon décodeur? Merde! J'ai encore perdu! Ouais, en fait, c'est le même bordel, hein, on va pas se mentir. Faut jamais traduire des chansons qu'on ne parle pas, hein, parce que voilà, ça donne ça. Justin, là, je pensais que tu disais des choses intelligentes pour une fois, autre que... Voilà, cette merde-là. Mais non, en fait, On n'a pas changé, les années sont passées, certains nous ont lâchés, on s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Franchement, je pars en couille, voilà, 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 voilà. Bon, après, j'invente pas tous les styles de musique, parce que sinon, on aurait pour toute la journée. Allez, compilation. Bon, allez, maintenant que je me suis imprégné d'eux, je vais voir si c'est facile de faire une musique sans aucun sens. Allez, c'est parti. Je t'ai rencontré dans le téléphérique. J'ai regardé mes pieds. Oui, j'avais la trique face à la montagne, les yeux dans la brume. J'ai des lasagnes pendant que je fume. I love you, I want your money. Fais-moi les bisous et je sors mon zizi. En vrai, toutes ces musiques cartonnent auprès de la gente féminine. C'est beau, c'est harmonieux, y'a rien à dire, franchement, y'a rien à dire, c'est propre, c'est net, c'est même joli, tu vois, moi j'aime bien. Mais franchement, ça veut rien dire. En vrai, les mecs, ils ont trouvé le bon filon, hein. Il faut juste parler de la mer, la lune, et pas ta lune, toi, je t'ai vu venir, des trucs vintage, du sable, de l'amour, et voilà, les meufs sont à tes genoux, hein. Franchement, c'est pas plus dur. Bon, après, je le redis, je suis pas là pour critiquer leur musique, parce que même moi, j'aime bien, c'est beau, c'est harmonieux, y'a rien à dire, mais les paroles ne veulent rien dire justement. Bon, et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de ce petit De quoi on parle numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Snapchat et me proposer des thèmes de vidéos en commentaire. Ça me ferait plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. C'est le plus important. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise!